Après une piètre prestation aux Nations Unies, où il a participé aux 78e Assemblée de l'ONU, le dictateur Denis Sassou Nguesso a été sèchement recadré par les internautes africains et panafricanistes sur les médias sociaux, notamment sur son compte Twitter. Les internautes ont réagi à un post où il tente de tromper la vigilance du public sur sa volonté et celle des peuples africains de rompre avec des pratiques impérialistes de l'Occident. Voici ce qu'il écrit en substance. L'Afrique n'a nullement besoin de ses partenariats sous-entendus par des aides publiques au développement, politiquement orientées et synonymes d'aumônes organisées. Les subventions au compte-gouttes, distillées au rythme des intérêts propres des donateurs, ne permettant certainement pas l'essor réel et effectif de notre continent. L'idée semble être belle, mais de qui émane cette idée? Voici la réaction des internautes juste en dessous de son poste. Alors, innovez dans votre gestion de la chose publique. Innovez dans vos politiques sectorielles pour mobiliser suffisamment des richesses à l'interne et financer vos économies internes. Nous vous laisserons lire la suite. Nous allons prendre le tweet de Monsieur Dzoumbou. L'Afrique n'a non plus besoin des présidences à vie. Un message cinglant pour le dictateur Denis Sassou Nguesso. Il s'agit là d'un tweet malveillant pour un homme qui a toujours été un servile servant du néocolonialisme français. Quand même, il est revenu au pouvoir par un coup d'état militaire soutenu par la France de Jacques Chirac et financé par Omar Bongo Ondimba du Gabon. Le dictateur congolais qui cumule près de 40 ans au pouvoir a été recadré et cousu de mémoire par les internautes panafricanistes. Comment peut-il pondre un tel texte pour tromper la vigilance des peuples africains éveillés et réveillés? Lorsque l'on aspire à la pleine souveraineté, il faut battre sa propre monnaie. Il faut communiquer dans sa langue nationale, à l'échelle internationale. Il faut construire un véritable écosystème économique détaché, celle du néocolonialisme français. N'est-ce pas vous qui avez fait construire un mausolée à la gloire d'un colon? Pourquoi n'avoir jamais restitué le nom de la capitale congolaise en foi, ce qui avait été fait au Congo voisin, juste au lendemain de leur indépendance, de Léopoldville à Kinshasa. En presque 40 ans de pouvoir, quel est votre bilan? Où sont passés les 14 000 milliards des générations futures? Un dictateur qui a spolié des générations entières veut se vêtir d'un costume de panafricaniste, alors que c'est une fabrication de la mafia France-Afrique. C'est tout simplement abject et honteux. Lorsque l'on connaît le passé de l'homme, un véritable criminel qui a érigé un véritable état tribal,